Il est où le propriétaire? Il est là, mon propriétaire. Tiens, on dit ça, un micro. Donc, tu es un habitué ici, tu viens de temps en temps ici? Je suis venu il y a quelques années parce que j'avais. Enfin, j'ai trouvé une voiture un peu plus récente. C'est autre chose, là. Voilà, exactement. Merci. Alors celle-ci, elle est de quelle année? Elle est beaucoup plus récente, comme elle tu disais. Elle est de 2005 quand même. 2005? Ah bah quand même. On n'entend pas? Elle va bien faire un micro. Ouais. Voilà. Elle est de 2005. 2005, elle est quand même déjà âgée. Elle a quelques années. Bah, oui, on dirait pas. Hein. Elle a un peu plus de 100 000 km. Elle est dans son jus, hein. Il y a des petits, on voit bien. Il y a des petits... Je l'ai depuis un an et demi, on va dire, mais j'ai des fausses garanties. Voilà, j'ai eu quelques soucis avec lors de l'achat, parce que c'est n'importe quel Japon. Elle vient du Japon, tiens, c'est original. Elle vient du Japon, ouais. Mais c'est une européenne quand même. Elle a fait un an en Allemagne et après elle a été exportée au Japon. Et donc elle est revenue il y a deux ans, on va dire. En Europe, en France, évidemment. Alors raconte-moi un peu ce modèle qui a été présenté pour la première fois en quelle année? Type de voiture? Alors là, je ne sais pas. Je sais pas quoi répondre. Ouais. Alors, c'est une SL55 en vrai. C'est un cabriolet, un coupé, une cabriolet. Et même celle-là, elle est en version coupée. Ouais, c'est un toit rétractable. Il y a le toit rétractable électrique. Exactement, tout à fait. Et c'est surtout un moteur, cette voiture. Alors, c'est un moteur, donc c'est une AMG. Hein. C'est en fin de compte, on essaie de le 55. Et la croix, absolument souhait, parce qu'elle est en facelift, donc en fin de compte, elle a été quittée. Personne des cuisines, comme ça, lors de cette façon. D'accord. Les gens sont d'origine ou c'est la non, les gens pensent que c'est qu'au Japon, ils font des choses avec la voiture, donc j'avais quelques craintes automatiquement lors de l'acquisition. C'est vrai qu'ils font des choses là-bas. Là. Bon, qu'on ferait pas ici. Pas exactement. Alors les détails bas, c'est impressionnant, Pierrot. Ouais. Hein. Ah, wow. Quand on voit les étriers à l'avant, waouh. De temps en temps, je me dis, tiens, je dois être crevé, même si je me suis dit, il va falloir faire la pression. Alors, c'est bien marqué sur les côtés, comme moi, c'est marqué de mon côté, de la vôtre aussi, je pense. 6 litres, 3. Alors, en fin de compte, c'est un 5 litres, hein, puisque c'est, ah bon, la SL55, enfin, c'est un 5, ouais. 5 litres, 5 litres, ouais. Et c'est marqué 6 litres, 3, oui, bah, parce que c'est ce que je disais, c'est qu'elle est en face fixe. Alors, je ne sais pas pourquoi, justement, elle a été rebaptisée comme ça sur les côtés. Mais c'est bien un 5 litres, en fait. Et c'est un 5 litres, tout à fait. C'est pas mal. 500 chevaux, donc oui. 500 chevaux. Il y a de quoi faire, tout à fait. Ouais, ça commence à faire. 500 chevaux. Pour un poids, peu près combien? C'est une tonne 8, je crois. Une tonne 8, ouais. C'est pas légère, c'est relativement lourd. Ouais, c'est relativement lourd. Il y a un peu d'allure aussi. Il y a un peu d'allure, mais bon. Ça reste quand même, on est pas loin des 2 tonnes quand même, pour ce genre de... Pour un coupé, ça fait beaucoup. On a un très bel intérieur, comme sur toutes les AMG. Je me permets d'ouvrir, hein. Regardez, on a un intérieur assez spacieux. Ouvrez le côté. Donc l'intérieur, pareil, il y a les contre-portières. Généralement, il y a des modèles où il y a du bois. Là, c'est en alu. C'est pas léger, là, par contre. Waouh, c'est du lourd, comme on dit. C'est du lourd. Mais on a une boîte donc automatique, ouais. 4 vitesses. Ah non, 6. Non. 6 vitesses. 6 vitesses, ouais. Automatique. Ouais. D'accord, ok. Donc je ne pourrais pas faire malheureusement manœuvrer le toit parce que c'est impressionnant de voir le mécanisme. J'ai un petit souci d'un jour. Bah ouais, désolé. D'ailleurs, je la cherche, j'avais quelqu'un s'y connaît, je lance un appel. Mais j'avais laissé le cas qui est beaucoup plus simple. Ouais. Déjà les toits, c'était compliqué. Bah, oui. Et tout, les vitres de vérin, là apparemment c'est vraiment le début du mécanisme pour faire baisser un tout petit peu les fenêtres pour lancer le mécanisme. Mais on a un toit qui est translucide ou c'est juste une voiture? Ah non, celui-là n'est pas translucide. Il n'est pas translucide. Hein. Ça existe, mais celui-là, il est noir. Il est noir, d'accord. Donc c'est vrai que théoriquement, il se rabat complètement dans le coffre. Ah, ça prend de la place une fois que c'est rabattu. Hein. Voilà. Donc une fois, on peut quand même mettre de la serviette dedans. On a ça que l'on remet. Protège le toit. Le toit, il vient ici. Hein. Voilà. Et le toit, en fait, quand il arrive à se passer entre ça et le capot. Voilà, ça, c'est pour protéger les bagages. Voilà, c'est entre le toit et les bagages. On a quand même du volume. Bah oui, voilà. Sur les SLK, c'était pareil. Une fois que le toit était plié, ça prenait. Alors, normalement, il y a des suspensions hydrauliques dessus. Là, elle a été changée. Et on les règle à 4. Alors, ça a été supprimé et c'est des combos à ressort qu'on t'y met dessus. Mais là, c'est pareil. D'accord.
quand je l'achetais, elle était comme ça parce que justement, bah, c'est le point faible. Il y a eu beaucoup de modifs sur cette voiture. Ouais, beaucoup. Bon, on voit qu'elle est dans son jus, hein, elle est pas, quand on regarde bien, elle n'est pas parfaite. Hein. Mais ça reste une voiture d'exception quand même. Hein, une voiture qui quand même qui filtre avec des conférences de points sur circuit. Alors, sur Internet. sur Internet, sur Internet, ça monte à pratiquement 300. 300 km/h. Ouais. Ah oui, ça commence à faire quand même. Ouais. J'ai pas testé. T'as pas testé. Bon, c'est bien, sur circuit peut-être. T'as une montre de pneus qui est idéale pour aller sur un circuit. Ouais. L'intérieur, je peux lui mettre. Oui. Voilà. Merci. Alors, l'intérieur, vraiment très très spacieux. Hein, même si ça reste une place, mais c'est oui, confortable. Ça reste une place. Les sièges sont vraiment bien maintenus. Bah, il y a beaucoup de ménage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ménage pour le verre, pour le dos. Ah ouais, il est vraiment bien. Mais bon, c'est une voiture qui était assez chère à l'époque. Donc, je pense qu'ils ont pris soin du conducteur et du passager. Et franchement, c'est une belle auto. On va pas dire le contraire. Hein. Alors ça, je crois que c'est l'origine, hein, ce rajout de... Voilà. Comme on dit, les Japonais aiment le tuning. Disons qu'il y a des touches de tuning qui ont été rajoutées. Oui, au Japon. Ils ont commencé à faire du coup après, il n'y a pas de problème. Hein, je crois que quand même, 2003, elle est vieille sans être vieille. Hein. C'est une voiture relativement récente. Une belle auto. C'est bizarre s'il y a aussi y a ça sur le côté où ils ne sont pas habillés sur les boutons là. Le moteur ouais, même ouais. Si on sent le moteur là, je sais qu'on ne voit pas. Peut-être l'échauffant, le siège pour air froid, air chaud. On voit le capot pour la forme. C'est bien, parce que vu que c'est en cuir. Ouais, c'est Alors, cette voiture-là, quand on les regarde de l'avant, hein, elle a un faciès assez impressionnant, assez agressif. Et j'aime beaucoup le faciès avant. Voilà, avec ce V là, qui revient sur les côtés. C'est vraiment un bel calan. Elle est agressive. Alors, comme je disais, les moteurs aujourd'hui, on ne voit plus grand-chose. Hein. Il y a déjà ce gros casque. Mais bon, il est impressionnant quand même. Hein. Il est impressionnant. Il rentre aux chausse-pieds, comme on dit. Hein. Quand on veut changer un moteur là-dessus pour le sortir, regardez la place qu'il y a, c'est vraiment au millimètre. Hein, ça... le pauvre mécanicien, il doit s'arracher les cheveux. On retrouve un réglage d'amortisseur ici, comme tu disais, tout à fait, ouais, qui a été modifié. Et on a la signature de la personne. Je ne savais pas, mais sur les AMG, en fin de compte, toutes les AMG sont signées et on sait qui a voté le moteur. En fin de compte. Ah, le mécano, en fait, signé. Ah, d'accord, donc là, t'as le nom du mécano. Exactement. Ouais. T'as pas le numéro de téléphone, on pourrait l'appeler. C'est moi. Alors, ça, je ne savais pas. Ouais, bah oui, moi non plus. Ça, c'est intéressant. Donc, on a le nom, la signature du mécano qui a monté ce moteur. Voilà, comme ça, s'il y a un problème, on va le rechercher. Ouais, ça, c'est, j'ai vu ça sur une voiture. Aston Martin. Voilà. Donc, un beau gros moteur, puissant, mais il faut se tirer la bête. Une tonne 8. C'est pas léger. Voilà. Faut la pousser. Comment vous la trouvez, cette voiture? Elle est intéressante quand même. C'est une belle auto. Une très belle auto. Ça vaut combien aujourd'hui, une voiture comme ça? On peut trouver ça aux alentours des 30-35 000, on va dire. C'est pas excessif. Non, c'est pas excessif. Non, c'est encore abordable. Ouais. Après, mon assureur, il a peut-être. Il y a différents contrats maintenant. Il y a différents contrats, c'est vrai. Bon. En tout cas, une très très belle auto. Et le blanc lui va bien, le blanc et le noir lui vont très très bien. Très très belle auto. Comment vous la trouvez cette voiture? Mais super! Il y a des jeunes là, ça les intéresse. Hein. Ah ouais, ils iraient bien au volant. Ouais. Ils vont encore quelques années qui n'ont pas de côté. Voilà, on va essayer de repartir. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs, cette fabuleuse AMG. Voilà. Et on va se finir avec la Aston Martin. La Aston Martin V12.